venu à Londres pour le soleil. C'est un petit peu trompé, il fait un temps de merde. Par contre, il y a un truc de ouf que j'ai vu. Viens, Pierre, je vais te montrer bien. Bon, déjà, c'était bon. On t'a dit que c'était un hôtel, mais en fait, c'est chez moi. Ça, c'est ma grande tante. Ça, c'est un mec. Ça, c'est mon oncle. C'est mon oncle. C'est ma grande tante, elle est là. Après, t'as le couloir, tu peux venir avec moi. Ça, c'est, tous mes employés. Mais bon, déjà, lui, il est en vacances. Lui. Ah ouais. Ouais. Moi, je suis pas dessus, pourquoi? T'étais pas là pour la photo, Pierre. Ah ouais, c'est pour ça. Je vais te montrer qui a séjourné dans mon hôtel. La déco, c'est à revoir. Hein. J'ai voulu faire vieux. Ah oui, c'est pour ça. C'est ton grand âge, c'est ça? C'est, oui, bah non, mais ça fait du bien un petit peu la ressource. Et ça, c'est une petite fierté. David Beckham. En vérité, je vous dis la vérité. Je descendais tranquillement de ma chambre. Par là. Par là, exactement. Il y a un escalier. Je vois la photo. Je vois que David Beckham a dormi ici. J'ai juste envie de demander aux employés quelle chambre c'était, qu'est-ce qu'il a touché comme meuble. Je veux tout savoir. C'est un truc de ouf, j'en pouvais plus. Voilà, c'était la petite info du jour. Beckham a dormi là. C'était il y a 12 ans, juste comme ça. Ouais. Bon, James Gordon aussi, mais... Non, Gordon Ramsay. James Gordon, c'est un gardien. Non, je sais plus ce qu'il sait. On s'en fout. Gordon Ramsay. Qui a... Puis je m'en fous. Bon, j'ai aucune idée de si vous m'entendez bien ou pas, mais en fait, comme vous l'avez peut-être compris, on est allé faire une vidéo avec Aubameyang, et ça c'est le vlog de la vidéo de Aubameyang, de tout ce qu'on va faire à côté, parce qu'il nous a invités pour aller voir un match. Alors là, on va voir un match. Et ça coûte cher, les billets de métro à Londres. Chaque fois qu'il parle, il dit que ça coûte cher. Ça coûte cher de ouf, donc laissez des likes. Et je te jure, même pour des vlogs maintenant à Londres, faut se faire sponsor pour payer les billets de métro. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que dans l'avion, on a joué à un jeu qui sponsorise tout notre périple ici à Londres pour aller voir Pierre-Emerick Aubameyang. Le jeu s'appelle Top 10. C'est un jeu de cartes qui est vraiment sympathique. Et du coup, je vous invite, si vous êtes curieux, à aller voir le lien dans la description. Nous, en tout cas, hier, on a joué combien d'heures? Ça disait quoi comme secret? J'ai dit, je suis pas tout le temps sûr que les gens me voient, puisque Yann refait de la caméra. Bah, maintenant plus, ils te voient plus, non. Et alors, bah Pierre, tu t'amuseras au montage à te montrer si tu veux. Non, mais bah, je vous posais une question. Deux heures, on a joué hier 2 heures en attendant les pizzas. J'ai plus gagné, quoi. Ouais, Stéphane a plus. Globalement dans la journée. Ouais, globalement dans la journée, Stéphane a pas du tout plus gagné. Et donc, quoi? Non, mais je peux lui parler, non? Je peux lui parler, c'est quoi ton problème? J'aime pas quand il y a des secrets, tu vois. De toute façon, lui, quand il perd, il dit rien. Ouais, mais il gagne, c'est le premier. C'est ça. Lui, quand il a gagné, il a fait ah non, mais film. Alors, quand il perd, il dit pas film. Donc, nous sommes à une partie qui va définir éventuellement qui va gagner. Il a 4 points, j'ai 4 points, t'en as 3, Pierre. Il vient de poser le 7. En effet. Suisse. En effet. Donc si j'ai une carte bleue, ce qui n'est pas le cas vu que j'ai une carte blanche, je gagne. 7. Si j'ai une carte suisse, je gagne. Si tu as 7, tu gagnes. Si j'ai un 7. Mais c'est un bâtard. Je bois ton coca. Il raconte des trucs, moi, personnellement, tout ce que je sais, c'est que hier, j'ai gagné 2 parties. Voilà. C'est tout ce que je sais. J'en ai perdu 2-3 aussi. Mais j'ai été plutôt solide quand même. Ouais. Solide dans la défaite. Bon, bref, on se retrouve au stade, ils m'ont saoulé. Il y a l'autre là qui bouffe. Alors, c'est bon le fish and chips? C'est plaisant. Pas mal. En vrai, le bout de poisson qu'ils t'ont donné, il a l'air salement bon. Hein. Franchement, ouais, ça va. Vraiment. Très bon choix. Première fois, c'est ça? Première fois. Propre. Première fois pour tout. Ah, mais c'est vrai, même ici d'ailleurs. Ah, même ici. Ouais. Tu veux raconter l'anecdote aux gens? Quelle anecdote? Tu sais quelle anecdote? Je te promets que... Bah, est-ce qu'il n'y a pas une fois où t'es allé avec l'homme ici présent? Normalement, tu devais aller à Londres. Normalement, je devais aller à Londres, mais ma carte d'identité était légèrement abîmée. Très légèrement. Bon, elle était presque éventrée. Ouais, mais... ouais, c'est ça, elle était coupée en deux en fait. Donc, ouais, ça m'a gâché le voyage. Il y a... Monsieur, restez coincé à la frontière. C'est ça, je suis resté à l'aéroport et retour à la caisse départ.
fais-nous les journalistes sportifs. Dis-nous ce que t'as pensé de ce match. Bon petit match, petite rentrée de Pépé en plus. Ouais. Il a montré qu'il pouvait. Il a montré que sur un ou deux gestes, il pouvait. Il élimine facilement. C'est bien. C'est bien. Facilité. Belle analyse. Une bonne petite passe. On continue. Qui aurait pu faire une passe décisive avec Aubameyang. C'est vrai. Il n'a pas réussi à la mettre au fond, mais c'est pas grave. Non, je pense que ça peut faire une belle attaque devant. Une belle triplette, comme on dit. Mais bon, victoire 2-1. L'objectif est fait. L'objectif est fait. But d'Oba, but de la case. Donc, basique ici à Arsenal. Un petit peu comme tous les week-ends. Bon, je sais pas du tout ce qui va se passer pour nous pour la suite, mais vous allez voir, vous, après la transition. Transition front de Stéphane. Bon, ouais, ça filme. Ça tourne, ça filme. Je veux Henri, c'est la statue d'Henri. Ah oui, d'accord. 9 matchs terminés, victoire d'Arsenal 2-1. On est resté un petit peu à la sortie, on a pu rencontrer 2-3 joueurs. Gros, la casette, la famille Thibaud, il est là, voilà. Tac. Et on a pu voir la case, on a pu voir Matteo, on a pu voir David Luiz, bien sûr Oba qu'on a vu, et du coup bah, normalement on va le voir après là chez lui. Donc voilà, nous on va profiter vite fait du stade pour faire le tour et on va aller voir les 2-3 choses qu'il faut voir ici à ce stade. Et ensuite on va rentrer à l'hôtel pour aller prendre le matériel et aller chez Aubameyang pour tourner la vidéo qui sera disponible sur la chaîne FIFA. Enfin t'as compris quoi, là c'est un vlog donc on va pas mettre du FIFA au plein milieu, ce serait con, voilà. Stéphane, je ne monterai pas pour aller voir le match de ce club de merde. Stéphane, strictement rien à foutre. Stéphane, tu veux pas aller. Stéphane, non. Attends. Ferme-la. Mais non. Laisse-moi parler. Non. J'en ai rien à foutre d'aller voir le match de Marseille. Moi, j'aimerais. Ça me suffit. Donc là, je vais regarder le match du Real Marseille. Mais j'en ai rien à foutre. Surtout pour voir leur nouveau attaquant mettre des pénaltys. Au-dessus, j'en ai strictement rien à foutre. Mais moi j'aurais voulu qu'on fasse une session, on pose les iPads et on met les deux matchs. Bah va le chercher alors, parce que c'est un beau projet de session. Non, pour une faire montrer qu'on fait ça, ouais, ça peut être cool. Moi je suis très fatigué. Ouais, et moi aussi. Tu veux pas monter à ma chambre? Non. Pierre? Non. Déjà que j'ai payé le Uber, tu pourrais aller au moins façon, chercher ta tablette. Moi je vais changer d'amis. Ouais, change d'amis, tu dis ça chaque fois, on est encore là vu que t'as personne. Ça y est, le coup d'envoi a été donné. On vient nous chercher pour aller voir Oba et du coup bah on va tourner la vidéo là. Donc je pense que on va le temps de tourner qu'une seule, ce qui est déjà très bien. Donc du coup voilà, on va préparer le matériel parce qu'il faut tout qu'on prenne avec. Et puis voilà, c'est parti. Ouais, j'ai plus de poids, c'est la rêve. Ah, en plus, tu sais que je peux en acheter qu'en France. Ouais, bah je sais, t'inquiète. J'ai... Bah ouais, tu m'as dit, je sais, t'inquiète, je suis au courant. Ouais, il m'a appelé aussi, il m'a dit. De ouf. Par contre, on a un souci. C'était quoi le problème que t'avais eu là avec ton compte ou je sais pas quoi là? Ah oui, par contre, ouais, il me l'avait bloqué. J'avais dû appeler. Ouais, t'avais dû appeler. J'avais appelé, je t'ai fait passer pour lui au téléphone. De ouf. Le mec, il était refait de ouf. D'avoir en main au téléphone et c'était moi. Tu vois, bah voilà, tu vois, parce que en fait, c'est obligatoire d'avoir la date de naissance, le truc, etc. Et du coup, bah voilà, je lui disais que j'étais lui, quoi. Je veux dire, mais il a vraiment cru que c'était moi, tu sais, la voix et tout. Ouais, bah ouais. Et pareil, quand j'ai eu une des personnes aussi. Mais vous êtes le. Ah, bah j'ai oublié de te dire, bonne saison, du coup, il m'a dit. Ah, ok. Merci de venir. Bon, bah. Fort en émotion. Fort en émotion cette histoire, franchement c'est de la folie. Encore une fois, tu vois, tu te dis, je suis quand même très chanceux de pouvoir vivre des moments comme ça et c'est surtout grâce à vous, donc encore une fois merci. Et j'espère que ben, on recommencera bientôt. En tout cas, c'était bien cool, bien fun. Et j'espère que ce petit vlog vous a plu, même si chez Oba on n'a pas forcément beaucoup filmé parce que ben, on était là pour la vidéo et puis après c'est son intimité aussi. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le bas de la présentation d'équipe, il y avait une très bonne ambiance. Et puis ben, nous le vlog va s'arrêter là où il a commencé, avec la photo de David Beckham ici. Allez, prenez soin de vous, j'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous et à très très vite. Ciao.